prix Nobel de chimie. Jean-Pierre Sauvage, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Votre première réaction après cette récompense ? Ma première réaction, c'est bien sûr un grand moment de bonheur et en même temps une grande surprise. Disons, je ne m'attendais absolument pas à être l'un des heureux lauréats cette année, ni même dans le futur. Vous avez récolté de nombreux prix, ça fait longtemps que vous travaillez dans la recherche. Vous êtes réellement si surpris que ça ? Disons, j'ai déjà récolté pas mal de prix, comme vous dites, mais le prix Nobel, c'est vraiment un prix particulier. C'est, comme vous le savez très bien, c'est le prix le plus prestigieux et en fait, c'est celui dont la plupart des scientifiques n'osent pas rêver, même dans leurs rêves les plus fous. D'une très belle carrière. Michel Chevalet est avec nous en plateau. Michel, sa récompense, donc les machines moléculaires. Voilà, oui, bonjour Jean-Pierre Sauvage. Voilà, c'est mes souvenirs de chimie génie 1, chimie génie 2, oui. Vous voyez que je rassemble. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez oui. Très simplement, rapidement, nous expliquer justement votre anneau et le micromoteur ? Alors, les micromoteurs, en fait, ce ne sont pas des micromoteurs, ce sont des nanomoteurs. Puisque ce sont des petits objets dynamiques à l'échelle de la molécule, c'est-à-dire à l'échelle du nanomètre, dont je rappelle qu'un nanomètre vaut un milliardième de mètre. Et ce sont des objets fabriqués par les chimistes, ce ne sont pas du tout des objets de la biologie, donc fabriqués dans des labos de chimie et qui ont des propriétés très particulières, très très originales, puisqu'on est capable de les mettre en mouvement, de les faire tourner pour des moteurs rotatifs, de les faire se contracter pour des petits muscles moléculaires, toujours de l'ordre de quelques nanomètres de long. Et voilà, donc c'est une recherche qui était complètement ignorée et qui n'avait jamais été abordée jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Disons, oui, vous avez raison, pour le grand public, c'est vrai que c'est absolument... Ça répond à votre question. Absolument. Juste une petite précision qu'on comprenne bien. Vos travaux portent, c'est l'application oui. Bon, des lois d'électrochimie classique. En somme, vous avez refait ce que veut faire Laplace ou Ampère lorsqu'on plaçait un fil électrique dans un champ magnétique. Hein, c'est cela. Vous, vos travaux ont porté sur de trouver ces molécules qui pouvaient être mises en mouvement. C'est ça, hein. Lorsque l'on fournit une petite source d'énergie. Non, pas les trouver. Non, du tout. C'est pas les trouver, c'est tout d'abord de les concevoir. Oui, donc concevoir. Ça, c'est un travail intellectuel, purement. Les concevoir, concevoir les fonctions qu'on va introduire dans la molécule ou dans les assemblages moléculaires qui vont permettre ensuite de les manipuler, de les faire bouger, de les faire se déplacer. Et ensuite, le plus gros travail, c'est la synthèse. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de chimistes très compétents qui vont fabriquer ces molécules, donc qui vont déjà concevoir des stratégies de synthèse et qui, en un grand nombre d'étapes, vont arriver à la cible, à ce que l'on désire obtenir à la fin. Et ensuite, il faut démontrer que ces molécules se comportent comme on l'espérait, c'est-à-dire se comporter comme des moteurs linéaires, rotatifs, etc. Dernier point, donc, il n'y a pas que l'électrochimie dedans. Oui, juste un dernier point. Est-ce que vous pouvez nous donner... Il n'y a pas que l'électrochimie. Oui, une mise en perspective de vos travaux. C'est peut-être le plus difficile maintenant. De dire à quoi cela ça va-t-il servir? Oui, c'est... Disons, à quoi ça va servir, je ne sais pas. Je ne dis pas que ça m'indiffère. C'est très important d'avoir des applications... sur les travaux de recherche que l'on a réalisés. Mais je me permets de rappeler pour le grand public que la science, qui est à l'origine de toutes les technologies, absolument toutes, les technologies découlent de découvertes scientifiques, n'a pas pour but premier de trouver une application rapidement. Elle a pour but premier de faire avancer la connaissance, de créer du rêve qui devient réel, et éventuellement, ensuite, de conduire à des applications pratiques.
Mais là, vous nous faites rêver, hein, tout de même, avec vos nanomoteurs, vous nous faites rêver. Hein. Jean-Pierre Sauvage, on l'a dit, hein, c'est une consécration. Oui, c'est du rêve. Oui, c'est du rêve, l'aboutissement d'une très longue carrière. Comment est-ce que vous êtes tombé dans l'univers de la recherche pour les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent et qui pourraient avoir vocation à devenir eux-mêmes scientifiques? Ça, c'est une question très difficile. Hein. Vous savez, on est ballotté par des événements, par des intérêts qui ont pu être éveillés par des lectures, par des discussions. Les rencontres sont aussi très, très importantes. Des rencontres avec des étudiants, avant même qu'on ait un laboratoire très établi. Des rencontres avec des grands scientifiques, ce qui a été mon cas, puisque j'ai été un élève de Jean-Marie Laine. Ah, ben bien qui sûr. M'a infecté, disons, de son enthousiasme et de sa philosophie de la science. Donc, il y a, voilà, on ne peut pas isoler un facteur qui fait qu'on devient un scientifique, on devient un chercheur et que finalement, ça marche bien. Mais qu'est-ce qui fait, pour qu'on se comprenne bien, Jean-Pierre, qu'est-ce qui fait que finalement vous vous êtes intéressé justement à concevoir ces types de molécules qui pouvaient se déplacer, alors que vous auriez pu faire d'autres travaux sur le magnétisme, la polarisation, etc. Pourquoi, c'est pourquoi, vrai, pourquoi oui, c'est les, vos nanomolécules Disons que c'est très souvent... Disons, changer de sujet de recherche, changer de projet de recherche, s'intéresser à autre chose, réorienter ses recherches, faire des découvertes plus ou moins intéressantes qui vont conduire à une autre idée. Donc sauter, en fait. Sauter d'un domaine vers un autre domaine, puis un troisième domaine. Et à chaque fois, avec la culture scientifique que l'on acquiert et que l'on va garder, et à un moment, on tombe sur quelque chose dont on pense que c'est vraiment original. Ah oui, et c'est ce qui nous est arrivé. Donc on est tombé sur cette machinerie. Et on s'est dit, voilà, on va vraiment essayer de persévérer dans ce domaine. Eh bien, vous avez eu raison. Vous avez eu raison. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter, là, oui, depuis que vous savez que vous avez une récompense, avec les autres chercheurs qui sont récompensés avec vous? Non, pas encore. Pas encore, malheureusement. J'ai été soumis à une certaine pression. Oui, c'est pas de la nanopression là. Ça va être de la méga pression médiatique. Non, c'est pas une critique du tout. Dernière question. Les deux chercheurs qui ont eu le prix avec moi sont des amis. Alors, je les contacterai au plus vite. Justement, dernière question, comment est-ce que vous avez l'intention de fêter ce prix Nobel de chimie? Parce que vous allez le fêter dignement. Ah, j'espère, oui. Pour être franc, c'est une question qui ne m'a pas encore traversé l'esprit. En tout cas, on vous remercie infiniment, Jean-Pierre Sauvage. Merci beaucoup pour cette première réaction en direct sur iTélé suite à cette récompense du prix Nobel de chimie à un Français, Jean-Pierre Sauvage, donc a récompensé pour des années de recherche sur les molécules dont le mouvement peut donc être contrôlé, si je schématise un petit peu vos recherches. Merci infiniment, Jean-Pierre Sauvage. Merci, Jean-Pierre Sauvage. Absolument. Merci. Et merci à vous, merci Michel à vous. Chevalet. Merci à vous.